En arrivant par les airs, au sud de la Turquie, à l'aéroport d'Antalya, on accède à la Cappadoce par la route. En traversant la chaîne montagneuse du Taurus et en passant devant un magnifique caravansérail qui était une cité fortifiée et qui servait de relais étape sécurisée sur la route de la soie aux caravanes de nomades. De nos jours, ils sont souvent aménagés en restaurant pour accueillir les touristes. Aborder l'histoire de la Turquie, c'est partir sur les traces des Hittites, des Perses, des Grecs, des Romains, des Turcs, des Seldjoukides, des Mongols, qui ont défilé par vagues au fil des siècles. Avec une civilisation byzantine éminemment chrétienne, un islam de tradition nomade, une laïcité républicaine chère à Atatürk, et aujourd'hui un islam un peu plus radical, la Turquie moderne est un peu tout cela à la fois, et donc un immense creuset culturel. La Cappadoce se trouve au cœur de cette Turquie et fait partie intégrante du plateau anatolien, ancien Asie mineure, qui culmine en moyenne à 1100 mètres d'altitude. C'est une des régions les plus étonnantes de la Turquie. Elle est sculptée par les laves des volcans et découpée de milliers de cônes et cheminées de faies que les Byzantins ont creusées d'églises, de monastères et d'habitations rupestres. Le sol est truffé de villages troglodytiques. La Cappadoce concentre deux artisanats importants en Turquie, la poterie et les tapis. L'art de la poterie, faïence et céramique, est hérité des Seldjoukides. Il atteint un degré d'extrême raffinement. La capitale de la poterie en Cappadoce est située à Avanos. Mais la Turquie est aussi le royaume des tapis, noués ou tissés, les plus cotés étant les noués. Pour qu'un tapis soit considéré de qualité, il doit être noué à raison de plus de 30 nœuds au centimètre carré et au-delà selon qu'il est en coton ou en soie. En fonction de sa dimension, un tapis peut compter plus d'un million de nœuds. La Turquie est un territoire cosmopolite. Sous l'Empire ottoman, cohabitaient chrétiens, juifs et musulmans. Malgré la laïcisation de l'État au début du XXe siècle par Atatürk, l'islam est devenu aujourd'hui la première religion du pays. Par leur vie exemplaire, ermites et poètes errants ont profondément influencé la tradition. Ils sont à l'origine du mysticisme oriental ou soufisme. La confrérie soufie, la plus connue, demeure celle des derviches tourneurs, fondée au XIIIe siècle par Mevlana. La principale caractéristique des derviches est le sema, danse rythmée par la mélodie d'une flûte. Ce pays n'est pas dénué de superstitions. L'un des principaux soucis du Turc est d'éloigner le mauvais œil. Pour le conjurer, on trouve cet œil de verre bleu, göz, de toutes les tailles et qui prend toutes les formes. À l'origine, la Cappadoce est la résultante des éruptions des trois volcans qui cachent souvent leur sommet dans les nuages à près de 4000 mètres d'altitude. À trois reprises,
La colère des volcans se consuma pour déposer plusieurs couches successives de tuf et de lave. La dernière couche, déposée par les éruptions, que le froid transforma en roche basaltique, se pétrifia pour la rendre aussi dure que le granit. Après le feu des volcans, l'érosion a fait son œuvre en ouvrant des failles dans le basalte jusqu'au lit de tuf, bien plus tendre que le basalte. Tandis que le couvercle de lave se lézarde, puis se casse, le tuf s'érode en douceur, créant les cheminées de fées, étonnant chapeau pointu, coiffé d'un petit plateau de basalte, qui finira par basculer. Dans quelques milliers d'années, cet extraordinaire spectacle ne sera plus qu'un souvenir. La Cappadoce est aussi le royaume des pigeons, car leur fiente est un formidable engrais. On peut voir les pigeonniers creuser dans les cônes et les falaises. Terre de passage, la Cappadoce, entre Orient et Méditerranée, reçut son nom au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Perses en firent une de leurs provinces. Les habitants payant leur tribut en chevaux, elle fut appelée Katpatouka, qui veut dire en vieux persan « pays des beaux chevaux ». Les villages d'Avanos, Uchissar et Urgup délimite le cœur de la Cappadoce, un triangle d'or d'à peine 15 km de côté, au sein duquel la nature et l'histoire ont sculpté le plus étrange des paysages particulièrement original. Mais avant de pénétrer au cœur de ce triangle, il est bon de rappeler que cette région est criblée de villes souterraines qui servaient de lieu sûr aux premiers chrétiens et qui leur permettaient de propager en cachette leur religion à l'abri de toute pression. Certains de ces villages comptent plus de 8 niveaux souterrains et pouvaient abriter plus de 10 000 personnes, et ce, durant plusieurs mois. Lorsque leur ville était assiégée, les habitants se retrouvaient ainsi protégés dans la ville souterraine, fermée par des portes en pierre que l'on roulait et qu'il était impossible d'ouvrir de l'extérieur. On dénombre environ 36 villes souterraines connues, sans compter celles qui n'ont pas encore été découvertes. D'Avanos, capitale de la poterie, nous passons par la vallée de Debrent, site inhabité où seule l'érosion a sculpté les rochers, donnant au tuf des formes les plus variées. La route nous mène à Urgup, où nous croisons un bel ensemble de cheminées de fées coiffées de petits chapeaux que l'on nomme les Trois Belles. Nous faisons un petit crochet par Mustapha Pacha, avec ses maisons en pierre et ses façades sculptées, héritage des Grecs. Puis, Ortaïsar, avec ses très belles vues sur le village et ses habitants. En quittant Ortaïssa, nous rejoignons la vallée de Gorémé, qui est l'un des plus beaux joyaux de Cappadoce. Les cônes et falaises cachent un exceptionnel ensemble d'églises troglodytiques,
véritable musée en plein air qui conserve les plus belles fresques de la région. Nous nous rendons à Uchisar, où le piton, criblé de trous, servait de guet. Ici, tout invite à la détente. Nous quittons Uchisar par la vallée des pigeonniers. Adossé à une falaise criblée d'anciennes habitations troglodytes, Tchavuchin est un petit village plein de charme qui a conservé ses églises rupestres. À côté de Tchavuchin, la vallée des roses est tout aussi intéressante. Enfin, Pachabag, appelé aussi Vallée des Moines, est l'emblème de toute la Cappadoce. Il fait bon déambuler au milieu de ce paysage extraordinaire. La Cappadoce a gardé son âme rurale, préservée par une activité agricole et artisanale millénaire. Les femmes nouent les tapis et brodent leurs fichus de dentelle. Les potiers d'Avanos sont toujours à leur tour et les paysans enrichissent leur sol avec la fiente des pigeons. La beauté de la Cappadoce réside dans l'harmonie entre l'habitat et son étonnant relief.
Aujourd'hui, la Cappadoce est un site protégé, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tourisme, de plus en plus présent et envahissant, devra être bien maîtrisé et contenu afin de contribuer à ne pas accélérer, mais bien retarder, la dégradation de ce site éphémère qui est naturellement et inéluctablement condamné à disparaître.